Good afternoon, 47. Your target is Vito Djuric, arms dealer and sanctions buster. Although the subject of a global manhunt, the target has successfully evaded capture and prosecution for more than a decade. Tired of waiting for the slow wheels of international justice, the client has turned to the ICA. Intelligence places the target inside the Swedish consulate, most likely involved in the operation to extract Strandberg. The situation is fluid, but this is our best opportunity to eliminate him before he vanishes again. The clock is ticking, 47. Good luck. Yes, salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille et on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième cible fugitive réactivée donc de l'année 2016. Donc c'est parti, aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Notre cible s'appelle Vito Djuric, on a 8 jours, ensuite cette cible disparaîtra. Comme toujours, on n'a qu'une seule tentative, mais je vais vous relire les règles d'ici quelques instants. Donc là, donc on a pu voir dans la vidéo qu'il pouvait se diriger aussi bien au consulat. Il est aussi, on le voit, qu'il est dans les sous-sols du consulat. Donc ça va être plutôt, je pense, très intéressant. Au niveau approche, car il sera bien gardé. Donc il va falloir que je trouve une faille. Donc là pour l'instant, alors au niveau équipement, je vais prendre le Silver Baller de l'ICA. Au niveau costume, même si je compte changer en cours de jeu, je vais prendre le costume d'hiver parce que c'est trop la classe. Et par-dessus le costume emblématique, j'ai l'impression, avec des gants, c'est vraiment trop la classe. Au niveau pièces de monnaie, ben il n'y en a pas besoin parce que je vais en récupérer sur place. Et donc je vais pouvoir changer cet item contre un autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Donc moi je pense... Bah, je pense qu'on va essayer de faire un truc plutôt risqué. Je pense qu'on va prendre la seringue moderne mortelle. Il n'y aura pas moyen d'empoisonner son verre. Il n'y a pas moyen. Je garde la corde à piano quand même. En objet de contrebande, je peux peut-être mettre quelque chose... ici peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais quand même voir, je vais quand même tenter le coup avec quelque chose, ça pourrait être marrant. Je sais pas si... Je vais tenter un truc. Je vais essayer. J'essaie de me donner plus de, le plus de chances possible. Alors au niveau lieu de départ... Alors, je pourrais... Parce que, idéalement, il faudrait avoir quand même le costume du soldat d'élite. Franchement, parce que ça va être très très... Ça va être compliqué d'approcher. Je pourrais déjà m'infiltrer dans le consulat en tant que concierge. Redescendre. Détruire les caméras et... Ouais, faut voir. Je peux aussi commencer directement au consulat. En supposant qu'il soit déjà là. Donc ça après supposition. Parce que si je commence ici, il peut très bien être déjà en plein dans le consulat. Ce qui serait déjà plutôt pas mal. Le bar à chicha, là, je pense pas. Hein. Je
pense pas. Là, non. Infiltrer sur le toit à l'ouest. Parce qu'il est plutôt pratique si on veut. À la rigueur, tirer depuis le toit. Et cacher un truc aussi. Non. Ouais, là aussi, ça peut être pas mal, mais. Non, je pense que. Allez, je pense que je vais commencer tranquillement en fait l'entrée de base. Et voilà, je pense que je vais faire comme ça. Allez, c'est parti, on prend ça. Tac. Alors, pour rappel, la cible fugitive. Ce contrat est une cible fugitive et se joue en respectant les règles suivantes. Vous devez commencer le contrat avant la fin du compte à rebours. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Vous avez 8 jours pour le faire, ensuite elle disparaît. Si 47 meurt, vous ne pourrez pas recommencer le contrat. Une fois que vous avez rempli le contrat et quitté la mission avec succès, vous ne pourrez pas recommencer le contrat. Une fois que vous avez commencé à remplir les objectifs, vous ne pourrez plus recommencer le contrat. Adaptez votre stratégie en conséquence. Vous ne pouvez pas sauvegarder votre partie en jouant à un contrat cible fugitive. Le briefing du contrat peut contenir des conditions d'échec additionnelles. Voilà, c'est parti. On lance la mission. Donc, que je réussisse ou non, je ferai tout de même une version, une deuxième version sur Xbox One. Après, c'est pareil. Il peut m'arriver d'avoir des problèmes de capture vidéo. Donc, si jamais la capture n'a pas fonctionné, du coup, je ne proposerai que la version Xbox One. Donc, bon, on verra bien. Mon cher Vito, on va essayer de s'occuper de toi gentiment. Allez, on attend que le temps de chargement se termine. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. Good afternoon, 47. The Swedish consulate is besieged by protesters linked to the imminent coup. Our intelligence indicates the target entered the consulate with a transport vehicle, most likely carrying weapons. He has not been spotted since. Good hunting, 47. Get involved. Matters of national security. I would let you through if I could, sir, but not at this moment. All we gotta do is. What? Shit! I forgot to leave the all-access key card in the parking garage. Avec un autre marteau sur la table à côté. Bon. I need to get back there before the Exo tears me a new one. Alright, I'll hold down the fort. Take the tunnel, it's way faster. Yeah, yeah. Allez, dépêche-toi. Ah, pas mal ça. J'ai jamais vu faire ça en plus. Voilà, c'est bon. Lui, on est tranquille parce que toi, je crois qu'il fait des allers-retours. Donc, on va s'en débarrasser tout de suite. On le cache. Hop. Carte d'accès du consulat. Alors, ça, c'est vraiment au cas où, quand même. Parce que c'est pas forcément nécessaire. On reprend le marteau. Voilà. Lui, c'est pareil. On se débarrasse de lui. Ensuite,
attaque. Ouais, s'amuser avec les pièces. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà. Ça va aller. On va prendre le poison mortel, ça sert à rien, mais on va peut-être prendre aussi un explosif au cas où. C'est pareil, lui on va peut-être le déplacer du coup. Ça va mec? Tu vas bien? I have an update for you. Interpol has an ongoing operation to apprehend the target, and at least one undercover agent is amongst the target's guards. This does not invalidate the contract, so proceed at your discretion. Donc juste pour information, il y a une caméra là-bas, une caméra de sécurité. Donc ça va, faut pas trop s'approcher. Donc c'est pour ça qu'on va passer hop, comme ça. Mais de toute façon, je pense que... qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup, lui, on va le... Voilà, lui, c'est bon. Ah, c'est pas la même en fait. Ouais, bon, alors, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, de toute façon, là, j'ai le massamuné. J'ai oublié flacon de propane, ouais. Voilà. Alors attends, là maintenant, j'ai une petite idée. On va voir si ça va marcher. Parce qu'en fait, notre ami est là-bas. On est d'accord. À chaque coup, je balance une pièce pour attirer quelqu'un. Bon, ça marche sur celui-là. Ça marche sur les deux gardes du corps habillés en noir qui ont des points blancs. Ok. Et encore celui qui est là-bas, c'est assez difficile de le faire venir. Parce que des fois, certains soldats d'élite
ou le haut gradé au béret rouge qui se met au milieu là, bah viennent à leur place. Voilà. Et là, pour le coup, on va tenter quelque chose d'assez risqué. Un pacte de balles repéré. Donc du coup, là ils partent. Soldat d'élite qui va quand même avec eux. All right, we're in position, gentlemen. Do not abandon the principal. Stay frosty. I'm on it. De quoi? Vite, la corde à piano. Et voilà, j'étais en train de regarder en même temps les mecs monter. Allez, c'est parti, c'est bon. Maintenant, on va se dépêcher. Et on va même repartir en costume, on va tout laisser en plan. Je pense que je sais pas pourquoi il s'est interrogé l'autre, mais du coup là improvisation, là j'ai bien géré. Allez, on va repartir en costume histoire de Et voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Ah, je suis trop content. On va se dépêcher d'aller à une sortie. Allez, c'est parti. Vite, 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 vite. On se dépêche. Mademoiselle, on s'en fout. Hop là, c'est parti. Yes! Super! J'avais jamais fait cette cible fugitive et franchement, je la trouve plutôt intéressante. Bah alors là, le coup de bol quoi. Le coup de bol, heureusement qu'il y avait une bonne distance entre les agents de sécu et le... Oh, nickel quoi. Franchement, nickel. Ouh, le costume bleu de Monet avec les gants. Oh! Oh, c'est super. Franchement, c'est super. Excellent. Bonus de temps, 11 minutes. 163 000 points. Impeccable, assassin silencieux. Eh ben, c'est vraiment génial. Voilà.
Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour la version Xbox One. Donc du coup, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de différences. C'est vrai que c'était quand même pas évident quand même. C'est quand même pas évident parce que là, moi je m'attendais que le mec il parte avec ses gardes du corps, mais finalement, avec les soldats d'élite, c'est quand même pas évident, hein. Donc après, si la version est vraiment identique, je la mettrai quand même. Mais je vais essayer de changer des petites choses, quoi. En tout cas, je suis très content de cette version. Très content de mon rang et tout. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Immortal71 Camille. Retrouvez-moi sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche, ce qui vous permet d'avoir les notifications de ma chaîne à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à vous inscrire, c'est totalement gratuit, sur ma page Facebook et sur mon site oldschoolgameuniverse.blogspot.fr ou .com. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Merci, ciao.